Bonjour tout le monde, là nous sommes en direct avec Monsieur Omar Cissé. Nous sommes actuellement au niveau de la place de la République. Là aujourd'hui il y a une manifestation pour, les Maliens se mobilisent pour dire non à ce qui se passe au Mali. Alors nous écoutons Monsieur Omar Cissé. Omar Cissé, je suis malien et je suis français. Je suis en France depuis 45 ans. J'ai fait au tribunal comme interprète au grand instance. Et j'étais interprète aussi à la préfecture. J'ai travaillé avec le droit au logement. J'ai travaillé avec France Héros Habitation. Je suis aussi imam dans les mosquées et j'ai prêché aussi dans les prisons. Actuellement, je suis là. Et à cette place de la République, on est là pour une seule cause. Quelle est cette cause? Révendication de nos droits. Le droit de la population. Le droit que les présidents, les trois ou quatre présidents qui sont à la CEDEAO, et qui nous ont affligé l'embargo. Et justement, ce texte qui n'existe pas dans les règles de la CEDEAO. Donc nous sommes venus pour manifester, dire à le monde entier qu'il sache qu'il y a trois personnes, s'il y a des trois personnes, il faut être à la fin parce qu'il y a Macron, il y a les ados, le président de la République et ses collègues, et M. Assim Ouattara. Alors l'explication, si je ne vais pas me tromper de cible, alors, quand ils ont demandé au président de la République Mali Assimi d'aller aux élections vite dans le mois de février, ce dernier n'a pas dit non. Il a dit, ah, mes pères, attendez d'abord que je consulte ma base et la population malienne, voir si on peut faire des élections ou si on ne peut pas faire des élections. M. Assimi a consulté 20 000 20 millions d'habitants, un peu le maximum pour répondre à son appel, en disant non Assimi, le pays est en insécurité. Donc l'élection n'est pas possible. On te demande tout simplement que tu fasses un dossier en allant donner au CEDEAO que le pays est à deux tiers en insécurité. On ne peut pas faire les élections. Faisant les élections, il faut aller faire la campagne. Donc si on ne peut pas aller faire la campagne, si on ne peut pas faire la campagne, jamais, au grand jamais, l'élection ne pourra pas. Et beaucoup d'autres choses existent qui est au Mali. Assimi a pris ce dossier, il est allé présenter ça au président de la CEDEAO qui est à Ghana. Ce dernier a pris, a rencontré, il est allé rencontrer ses collègues, je ne sais pas où. Ils se sont rencontrés sans lire le dossier, sans lire les dossiers. Ils ont dit tout de suite à embargo. Ils ont signé l'embargo sur le Mali dans toutes les sortes. Donc l'embargo est là. Nous, on n'a pas peur. Seulement l'embargo, et ils n'ont pas le droit de le faire parce que ce texte n'existe pas à la CEDEAO. Il n'y a pas ce texte à la CEDEAO. Mais quand ils ont prononcé à la minute M. Macron, au lieu de que lui aussi constitue sa base, la population française, ou de consulter au moins l'Assemblée nationale, que ces présidents ont mis l'embargo sur un pays, frère, parce que nous sommes des frères, le Malien et le Français sont des frères. Moi j'ai des petits-enfants français ici, comme j'ai mes belles-filles sont là français, les Français sont au Mali, ils ont des enfants là-bas, ils sont là-bas avec nous. Nous vivons ensemble en harmonie. La population française et la population malienne sont des parts. Dans cette ordre, Macron n'a pas consulté sa base, il n'a pas consulté l'Assemblée nationale. Il a pris à la hâte, il a accepté, il a validé dans ce truc qu'ils nous ont opposé. Donc, Assimi, il a consulté sa base, il a consulté l'Assemblée nationale, il a fait un dossier en allant leur donner pour qu'ils confirment. S'ils voulaient bien, quelque chose d'amiable, quelque chose de correct, quelque chose de sincère, ils devraient d'abord nous consulter et dire que non. Mais seulement, ils ont fait comme ça, à la hâte, sans droit, sans rien. Nous demandons, moi surtout,
si je pourrais porter plainte contre ces présidents africains, j'allais porter plainte, puisqu'ils ont fait quelque chose d'injuste sur un peuple innocent, un peuple accueillant, un peuple social, un peuple religieux. Donc, madame, voici le résumé de la situation que je vais te dire. Moi, si j'accuse quelqu'un, j'accuse Macron et Ado de la Côte d'Ivoire et ses groupes. Ils sont sortis du droit, ils sont sortis des règles de la CEDEAO. Nous nous respectons toujours. Nous tendons la main à tout le monde. Il n'y a pas de rancune entre Français et Maliens, non. Il n'y a pas de rancune entre Maliens et Ivoiriens, non. Il n'y a pas de rancune entre Maliens et Burkinabés, non, ni Nigériens. Il y a tout simplement malentendu et mal gestion de ce président de Macron. Macron n'a pas été sincère. Macron n'a pas été correct. Macron n'a pas été, il n'a pas réfléchi. Un président de la République ne prend pas seule une décision, c'est la dictature. Si les dictateurs ont fait leur choix, mais lui ne devrait pas rentrer dans ce jeu. Il ne devrait pas rentrer dans ce jeu. Donc, voici pourquoi, madame, nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire le forcing. Nous sommes là aujourd'hui pour dire tout simplement, dire au monde, au public, qu'on n'est pas là pour la violence. On est là pour dire les choses correctement quand ils se sont faits. Voici monsieur et madame, si vous avez questionné. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.